Eh bien, les petits copains, je suis dans une sapinière là, où il fait bien frais parce que c'est à l'ombre. Mais avant d'arriver là, j'en ai chié un peu, malgré le fait que il était de bonne heure, puisque je suis arrivé, il était 8 heures. Et quand tu marches à 8 heures en plein cagnard et que ça tape déjà fort, bah t'es bien content de l'avoir ta petite sapinière, hein. Voilà, donc j'ai quitté la ligne de gaz pour rentrer dans un vrai sentier forestier et même un sentier de grande randonnée, hein, vous voyez, le blanc et rouge, c'est de la grande randonnée, ça. Voilà. Et puis je vais pas tarder à faire ma pause pomme. Il faut que je trouve un tronc d'arbre, un truc comme ça. Eh ben, et voilà un tronc d'arbre qui va faire l'affaire, hein, les copains. Parce que ça fait déjà un moment que je marche, donc une petite pomme ne ferait pas de mal, hein. Eh ben, les copains, j'ai déjà bien marché ce matin. Alors, c'est la pause pomme. Eh, mon Daniel, la pause pomme. Je m'adresse à mon frère. Et puis c'est tout. Ah, quel parfum. Bon, bah, j'ai repris ma marche et il y a une putain de mer ici, vache. Hein? On va passer sur le côté. Hein. Oh, je suis. Bébé. Ouais, malgré les chaleurs. Hein. T'as encore l'eau dans le bois, copain. Et ben voilà, ça coule doucement. Et ça coule toujours. Malgré une période de chaleur intense et de sécheresse, ça fait du bien d'être dans les bois comme ça.